Rencontre au sommet avec mon copain Jerry Noyes. Nous sommes donc le 23 septembre. Ce soir, ils sont même pas isolés du tout. C'est bizarre, c'est exactement ce que dit le modèle établi. Ouais, mais tu sais, ils sont forts, les nageurs. Bon, allez, je m'installe. Puis on va regarder ça bien comme il faut. Et là, on voit bien que les nuages sont éclairés par en dessous, monsieur les platistes. Alors, comment la lumière peut venir par en dessous si le soleil est au-dessus? Allez, on est le 23 septembre, au petit matin. On sky les meules. Tout ça pour des cons qui croient à rien. On va leur en foutre plein la vue. Enfin, j'espère, hein, parce qu'autrement, on va le faire tout ça pour rien. Expliquez-moi ça, messieurs les platistes. On voit bien que le soleil éclaire par en dessous. Alors, comment c'est possible s'il est au-dessus? Hein? Fais attention, il y a un groupe de platistes à gauche là-bas. Ouais, mais ils vont rien comprendre. Nous pouvons voir des gens qui viennent. Filmer les oiseaux. Donc, nous sommes plein est. Et le soleil se lève plein est. Comme par hasard. Et surtout, il éclaire par en dessous. Ce qui veut dire qu'il n'est pas au-dessus. Expliquez-moi ça, les platistes. Et je ne veux pas d'histoire de perspective, parce que ça, c'est pas la perspective. Hein. Olivier, tu sais pas ce que tu perds. Allez. Est-ce que je me suis bien positionné? Je me suis pas gouré, ça doit lever là-bas. Et le soleil arrive. Au niveau de la mer. Et ce n'est pas la perspective, messieurs les platistes. Nous le voyons bien, ce n'est pas la perspective. La perspective ne fait pas ça. On ne bouge pas, et nous voyons le soleil se lever. On a de la chance parce que il était censé faire moche. Mais non. Et ici, on est privilégié. Tu sais à quoi je pense? Vas-y. Les plateaux qui vont regarder les nuages éclairés là, bas, ils vont dire, ouais, mais c'est pas normal parce que le soleil, il va pas dans la direction des nuages éclairés. Ah bah oui. Bon, les nuages, ils vont pas forcément dans le sens de la direction du soleil. Tout à fait. Hélas, oui, j'ai pas de téléobjectif, mais j'ai quand même zoomé, ça va, l'image est propre. 23 septembre 2019. Face, il y a La Rochelle, que vous voyez là. Nous avons le pont un peu plus loin. Là, nous avons le pont. Habitons un super coin et le soleil s'est levé plein est comme il l'a fait sur la terre entière, sur le globe entier. Désolé les platistes, continuez de rêver. Résultat final,
on est bon. Le soleil est bien là où on avait prévu, à l'heure dite. En face de nous, c'est la baie de l'Aiguillon. On n'est pas des moutons. Nous ne sommes pas des moutons. L'observatoire globiste de pointe. Installation très poussée, comme vous voyez. Ça, c'est de la science. L'observatoire globiste de pointe. Comme quoi, pas besoin d'être dans un laboratoire pour faire de la science, messieurs les platistes. Ni devant YouTube. La science, ça se passe dehors aussi. Ça, c'est une dédicace spéciale Olivier. Je suis sûr qu'il aurait bien aimé être là. C'est bizarre, il n'y avait pas beaucoup de platistes aujourd'hui. Pour une fois qu'ils étaient en mesure de faire quelque chose d'intéressant, de prendre un bol d'air, de bouffer des moules ou des huîtres. Les platistes, eux, font de la science devant YouTube, c'est tout. La vie réelle, ils connaissent pas. Ah non, là-bas, c'est pas des plateaux. C'est des mecs qui sont là pour voir les oiseaux passer. Des membres de la LPO, parce qu'ici, on est un coin super bien. Avec c'est plein d'oiseaux rares. C'est une zone naturelle protégée. Même le soleil, il est protégé, c'est dire. Allez, à plus.